Dav Kouf Yudalef, Amoudalef. Donc hier, nous avions dit que le mariage d'un homme avec une Ktana et le mariage d'un homme avec une Khereshet n'est pas du même degré. Ils n'ont pas la même valeur. Et on a dit que il y a deux sortes de Takana des Rabanan. Il y a le mariage de la Khereshet qui s'appelle Knouya ou Mishouyeret. Elle est mariée que à 50%. Et le mariage de la Ktana qui est Knouya vina Knouya, c'est-à-dire que elle est Knouya à 100% puisque finalement il y a date, comme ça il explique le Ramban, mais elle n'est pas Knouya parce qu'elle veut partir Bémioud. Donc c'est les Knouya vina Knouya. C'est tout ou tout rien. Ok. Amar Rav Shechet, donc on est Koufiou d'Alef, 6e ligne. Amar Rav Shechet, Achinami Mistabra. Bémet, c'est Mistaber de dire ça. Kedeka Metaret Rav Frisda, comme il dit Rav Frisda, Libadé Rav, à savoir que la Khereshet elle est Knouya ou Meshouyeret, et la Knana elle est Knouya vina Knouya. Et on ne peut pas dire l'inverse. Pourquoi? Tout de suite. Détania. Shnachim Nesuim Shte Achayot. Deux frères qui sont mariés avec deux sœurs. Yetomot, donc c'est des Rabanan. Ktana ve Khereshet. Une Ktana et une Khereshet. Donc dans la Khereshet, c'est vrai qu'on n'a pas besoin qu'elle soit Ktana et on n'a pas besoin qu'elle soit Yitoma. Mais Rashi dit, c'est pour la Ktana. Donc, une Ktana et une Khereshet. Et c'est deux sœurs. Deux frères qui sont mariés avec deux sœurs. Un est marié avec une Ktana, l'autre est marié avec une Khereshet. Met Balash el Ktana, celui qui était marié avec la Ktana, il meurt. Et la Ktana est tombée en Iboum devant celui qui est marié avec la Khereshet. Non, elle son sœur. Il ne peut pas faire Iboum. Alors comment il fait? Khereshet Yotsa Beget, il divorce de sa femme. Et Ktana a tamtina tchet tagdil. Et la petite, on attend qu'elle grandisse, elle fera Khalitza. Betachot. Maintenant, l'inverse, met bala shel Khereshet. Si c'est celle qui était mariée, celui qui était marié avec la sourde qui meurt, la Khereshet tombe en Iboum devant le frère. Et c'est Achota. Mais Khereshet, elle ne peut pas faire Khalitza. Oui, mais c'est quand même assez. Elle ne peut pas faire Khalitza des Rabbanan. Ce qu'on a vu hier, que même la Khereshet de Khalitza, la Khereshet de Mikara, elle ne peut pas faire Khalitza. Alors qu'est-ce qu'elle fait? Ktana Yotsa Beget. La Ktana est obligée de la divorcer. La Khereshet Asura Leolam. Pourquoi la Khereshet est Asura Leolam? Parce qu'étant donné qu'elle ne peut pas faire Khalitza, je suis obligé de faire Iboum. Mais je ne peux pas faire Iboum. Parce que c'est la sœur de mon ex-femme. C'est Achot Grouchato. Donc Iboum, je ne peux pas faire parce que c'est Achot Grouchato. Ou Achot Ishto, encore pire. Khalitza, je ne peux pas faire parce qu'elle est Khereshet. Asura Leolam, la Khereshet, elle est finie. Vim bala Khereshet. Maintenant, si finalement, malgré ça, malgré le Issour, il va quand même avec la Khereshet, alors ça veut dire que Behemet, il a eu un Kinyan avec elle et il la divorcera Beget. Noten la Get, Veoutra. Ça, c'est la Mishnah. D'accord? Donc, je répète, s'il est marié avec une Ktana et la sœur de sa femme, qui est Khereshet, tombe devant lui en Iboum, la Ktana, il la divorce et la Khereshet, il ne peut rien faire avec. Ni Iboum, parce que c'est Achot Grouchato, ni Khalitza, parce que c'est une Khereshet. Mais si malgré ça, il est allé avec elle, alors, il lui donnera un guet, fait shalom à l'Israël. Il n'a pas de onesh, lui? Bah, d'ailleurs, il n'est qu'il a onesh. De un, c'est Achot Grouchato. Ouais, il est carré. Non, parce que c'est des rabbanan. De deux, c'est. C'est. C'est vrai que c'est pas bien comme ça. Il est bon chez le bien comme ça. Ah non, mais il ne peut pas. Oui, mais c'est aussi la sœur de sa femme. C'est aussi la sœur de sa femme. Il y a deux problèmes. Et Amret Bishlama, Khereshet, Knouya, Mishouyeret. Ça va bien si tu me dis, comme on a dit hier, que la Khereshet et les Knouya, Mishouyeret, c'est-à-dire 50%. Ktana, Knouya, Vina, Knouya. La Ktana, c'est soit 0, soit 100%. Mishoumachi, Dechiba, la Khereshet. C'est pour cela que quand il va avec la Khereshet, Noten la Guette, Veoutra. Il lui donne la Guette, Veshalom à l'Israël. Dans le deuxième cas. C'est-à-dire, même si c'est assourd. S'il va avec elle, il donne un guet et colle tout. D'amret, parce que tu me dis, Mimanafchar, si avec la Ktana, c'est soit tout, soit rien, alors Mimanafchar, il a fait quelque chose avec la Khereshet. Pourquoi? Iknaya Knuya, si la Ktana, c'était Sayibama, I Anafka Mishuma Khotisha. Alors elle est carrément à Suralo Midina Khotisha. Donc il n'y a pas besoin ni de Ibu, ni de Khalitza. Il a Knuya, et si la Ktana, elle n'était pas Knuya, alors elle doit faire Iboum avec moi. Et il a fait Iboum. Shapir Kamiabem, il a très bien fait Iboum et donc c'est normal qu'il donne un guet. Ça, c'est à la tsad que tu me dis que la Ktana, elle est Knouya Vina Knouya. Par contre, il a y un vrai Khereshet Knouya Vina Knouya. Mais si tu me dis non, c'est la Khereshet qui est soit 0%, soit 100%, alors là, on a un problème. Pourquoi? Et la Ktana, Knouya Mushuiret, la Ktana, c'est 50%. Qui bat la Khereshet, la Gemara dit amen au ten guet. Quand il va avec la Khereshet, comment ça se fait qu'avec le guet, ça suffit? Arrêt là, ça s'appelle une biapsula.
Alors, ça s'appelle une biapsula, on va expliquer pourquoi tout de suite, ou biapsula lopatra. Et on avait vu que la biapsula, quelqu'un qui fait une biapsula, il n'est pas poter la tzara, et il n'est pas poter au tabeget, il faut qu'il fasse khalitza, puisque la bia était psula, ça veut dire que c'était pas un iboum. Ah, or, ici on te dit que c'est un get. Pourquoi ça s'appelle une biapsula? Parce que si à la tzad, que la khereshet, elle est knouya vena knouya, et que la ktana, elle est knouya au michoueret, ça veut dire qu'avec la ktana, quand il a fait une bia, il a fait 50% du iboum. Donc ça s'appelle Kivan Shelobana Shuvlo Ibne. Baitecha de Bone, Veno Bone Shnebatim. Donc s'il a déjà fait 50% du iboum avec la ktana, il ne peut plus faire iboum avec la khereshet, parce que c'est Kivan Shelobana Shuvlo Ibne. D'accord? Donc ce qu'il a fait avec elle, ça s'appelle Biapsula. Si ça, fait, ça s'appelle Biapsula, à la tzad qu'elle est knouya les gamrés, à 100%, ça s'appelle Biapsula. Il faut qu'il lui fasse Khalitza et le get ne suffit pas. Sur ça, la Gemara répond, il n'y a pas de preuve. Amane Rabbi Tarfon, et Bemet, Yacholiot, qu'ici on parle à l'Iba de Rabbi Tarfon, que d'après Rabbi Tarfon, il pense que Biapsula, c'est poter. C'est-à-dire qu'un get suffit, pas besoin de faire Khalitza. Damar Biapsula poteret mi Khalitza. Que Rabbi Tarfon, il pense que la Biapsula est poteret mi Khalitza. Rabbi Nechemia, si Bemet, c'est Rabbi Nechemia ici, il m'a sefa, alors je ne comprends plus la sefa. Puisque dans la sefa, il y a marqué Mishan Shayan Nasu Shte Yetomot. Encore une fois. Okay? Là, tout à l'heure, c'était deux frères qui étaient mariés avec deux femmes, deux sœurs. Ici, c'est un homme qui est marié avec deux femmes. Stam, Shte Yetomot. Ktana Becherechet. Une est Ktana, l'autre est Becherechet. Oumet, il meurt. Le frère, qu'est-ce qu'il fait? Bayaba Amala Ktana Bechazar ou Bala Becherechet. Il savait pas quoi faire, alors il dit il a fait iboum avec la ktana, ensuite il a fait iboum avec la khereshet. Mais il est embêté. Kivan shelobana shuvloi bayit echad ubone veno bone shnei batim. Oh, sheba achiv ala khereshet, ou bien non, c'est pas lui qui est allé avec la khereshet, c'est son frère. Nes rushten alav, les deux elles sont assurotes à lui. C'est-à-dire que même si finalement lui il a fait iboum avec la ktana, et ensuite on a fait iboum avec la khereshet, elle est devenue assura la ktana, parce que finalement il y a eu un autre iboum. Donc tu vois bien que ça s'appelle Biapsula. Or d'après Rabbi Nechemia, il n'y a pas de Biapsula. Ketsa Takanatan, comment on fait pour s'en sortir? Khereshet Yotzet Beget. La Khereshet, elle est exclue par le Get. Et Ktana, et la Ktana, tu attends. Tamtina Chetakdil Vetachlot. Elle attend avant de grandir. Et ensuite elle fait Khalitza. Et un bret Bishlama Lagma dit ça. Eh bien si tu me dis que Khereshet Knouya Mushuret. C'est bien si tu dis que la Khereshet, elle est Knouya 50%. Et Ktana Knouya Vena Knouya. Et la Ktana, elle est soit 100, soit 0%. Les Rabbanan, ici on est à la bête des Rabbanan, de savoir que quand il y a une Bia qui n'est pas dans le cadre du hibou, ça s'appelle Bia Psula et ça ne suffit pas de faire un get, il faut même Khalitza. Mais Shumachit Amtina Chetagdil et Tachlot. C'est pour ça que la Ktana, malgré le fait qu'il a fait hibou avec la Ktana, il faut attendre qu'elle grandisse et qu'elle fasse Khalitza. Pourquoi? Parce que finalement, c'est une Bia Psula. Donc ça va bien d'après Rabbanan qu'il faut faire Khalitza. Mais d'après Rabbi Nechemia, pourquoi faire Khalitza? Arrête, tu as fait bon avec la Ktana? Ah, c'était Biapsula, mais c'est un get suffit. Donc tu attends qu'elle grandisse et tu donnes un get. Ou bien, ouais, parce qu'une Ktana, je sais pas si elle reçoit un get. La Gemara dit, Amai, Meshumachi, pardon, t'as un petit Nachetagdil et Tachlot, c'est pour ça que la Ktana, elle doit attendre de grandir pour faire Khalitza. Des Dilma, Kadim ou Bayil, Khereshet. Parce que, Ainachinami, que sur la Ktana, on peut dire Mimanafchar. Soit la Ktana, elle est knouya à 100% et donc il a fait iboum à 100%, soit elle n'est pas knouya du tout et donc il n'a rien fait du tout. Mais tout le problème, c'est s'il a fait bia avant avec la khereshet. Parce que s'il a commencé par la khereshet, elle, c'est sûr qu'elle est à 50%. Donc elle a foutu en l'air le iboum. Tu ne peux plus rien faire après. Donc, des dilma akadim ou bail khereshet berecha, de peur qu'il fasse bia avec la khereshet en premier, va vielé bia ktana bia psula. Et là, à ce moment-là, la bia de la ktana, c'est bémet une bia psula. Et parce qu'il a déjà fait un petit peu iboum avec la khereshet, il ne peut plus faire avec la ktana. Et c'est pour ça qu'il y a besoin de khalitza. D'après Rabbanan. Mais si tu dis que c'est Rabbi Nechemia, pourquoi tu as besoin de khalitza? Et là, il y a un vrai de Rabbi Nechemia, Abia Psula, Patra. La Bia Psula, ça marche. Pas besoin de khalitza. Ah, pourquoi tu me dis attends qu'elle grandisse, fais khalitza? Et là, Shmamina Rabbanan. Donc tu vois bien que c'est Rabbanan. Shmamina. Amar Ravashi, non, tu n'as pas de preuve. Mais Resha Nami, pardon. Ravashi dit, mais de la Resha aussi, j'ai une preuve. Mais Rechanami Shumamina de Rabbanan, il dektane imba la khereshet, noten la get veoutra. S'il va avec la khereshet, il lui donne un get et c'est fini. Velo ktane imba la ktana, noten la get veoutra. Il n'y a pas marqué la même chose sur le ktana, qu'il donne un get veoutra. Mashma, qu'on parle à l'iba de Rabbanan. Qu'on parle pas qu'il y a eu une biapsula et qu'il donne un get d'après Rabbi Nechemia. Ça suffit. Non, on parle d'après Rabbanan que Bémet, il faut toujours faire khalitza quand il y a une biapsula.
La Gemara dit, si c'est ça, il meshum a lo iri, il n'y a pas de preuve. Chereshet, delet le takanta de tera, katane, takanta de isura. Étant donné que la Chereshet n'a pas de possibilité de faire un tikkun de tera, c'est-à-dire par le biais d'une chalitza, puisqu'une Chereshet ne peut pas faire chalitza. Alors on a enseigné seulement le tikkun de isura, à savoir s'il a fait une biapsula avec elle, il a fait un isour, malgré le fait qu'il a fait un isour, alors avec un get. Mais la ktana, qu'elle a la possibilité de grandir, de faire une chalitza à la méhadrine, on n'a pas enseigné. Elle a un tikkun de tera, exactement. Ktana de tera, takanta de tera, lotane, takanta de isura. On n'a pas enseigné le tikkun de isura. Ok. Alors, Vaiter, Mishnah. Cette Mishnah, on l'a déjà vu hier. Mishnah sui jete, les jete yetomot, ktanot. Il est marié avec deux petites filles, met et il meurt. Donc, s'il est marié avec deux ktanot, elles ont le même statut. Alors là, le yabam, il fait ce qu'il veut. Soit il boum, soit chalitza d'une des deux, et c'est poter la tzara. Ou ba yabam à la rishona, ve chazar ou ba la shnia. Alors, le problème, c'est si la fille boum avec les deux. Ou sheba arrive à la shnia, ou bien c'est son frère qui a fait boum avec la deuxième. Ça s'appelle jete batim. On fait pas. Maadine, l'eau passale est à Rishona. C'est pas pour autant que la Rishona est psoula. Pourquoi? Parce que c'est d'habitude, si ça avait été une vraie bia de Iboum, alors la Rishona elle aurait été psoula par la bia de la deuxième. Bia psoula, ça possède toutes les Yevamot. Mais comme ici c'est que des Rabbanan, Rashi dit Share biatan chave, virishona knouyaï, arishto ve acharona biadnout. Ça veut dire que là, ici, si la première elle était knouya à 100%, alors c'était un vrai Iboum. Et si elle n'est pas knouya à 100%, hein, alors c'est rien du tout, et la deuxième aussi c'est rien du tout. En deux mots, étant donné qu'elles sont chavées, béchavées, les deux filles, il n'y a pas une qui crée un décalage par rapport à l'autre. Vechen shtei chereshot, pareil, quand c'est deux chereshot, elles ont le même statut, donc c'est pas parce qu'on a fait deux fois le hiboum que c'est possède la rishona. Le deuxième il est assourd, mais le premier il reste mouta. Maintenant, ktana vechereshet, s'il était marié avec une ktana et une chereshet, d'accord? Un homme qui est marié avec une ktana et une chereshet, bayabam à la ktana. Et ensuite, Vechaza ou Bala Kherechet. Ah, là c'est problématique. Pourquoi c'est problématique? Parce que quand il va avec la Kherechet, il crée un décalage par rapport à la Ktana. On ne peut pas dire qu'elles sont sur le même piédestal. Pas du tout. Elle, c'est Knouya ou Mushuiret et elle, c'est Knouya Vena Knouya. Alors peut-être que Bémet, c'est ça, elle, étant donné qu'elle est à 50% sa femme, sûre, c'est pas sa fec, elle est possédée peut-être la première. Donc, Ktana Vechet, Bayabama la Ktana Vechaza ou Bala Kherechet, Osheba Akhiva la Kherechet, Passale Taktana, Nakhinami. Il est posé à l'Aktana, parce que ça s'appelle Biapsula. Il a fait deux fois Ibou. Bayava malachereshet, vechazar ou bayaktana, osheba arrive à l'Aktana, passe à la tachereshet. A Emet, c'est que c'est ce cas-là qui est problématique. C'est quand il a commencé par l'Acheréchet. Pourquoi? Parce que du moment où il a fait Iboum avec l'Acheréchet, alors il ne peut plus faire Iboum avec l'Aktana. D'accord? Donc là, c'est celui-là qui est problématique. Ça s'appelle Biapsula. Mais si Emet, il avait commencé par l'Aktana, alors il peut même acheter l'Aktana. Soit c'est 100% et la chérechette elle est exclue, c'est tsarat yevimto. Soit c'est 0% et la chérechette elle est toute seule. Donc c'est pour ça que tout le problème il est ici, il a commencé par la chérechette. Pikachat ve chérechette, une normale et une sourde. Bayabam à la pikachat ve chazar ou ba la chérechette. Le yabam il a fait iboum avec la pikachat en premier lieu. Qui est deoraita? Et donc là la chérechette elle est quoi? Elle est ptoura. Mais chazar ou ba la chérechette s'appelle biadnout. Osheba arrive à la chérechette. L'eau passe à l'état pikachat, c'est pas pour autant qu'il a été posé la pikachat. Pourquoi? Parce que la pikachat, elle, c'est une bia d'oraita. Et la chérechette, c'est rien du tout. C'est des rabananes. Donc tu n'as pas posé la pikachat. Par contre, s'il a commencé par la chérechette, c'est différent. Bayabam al chérechette, vechazar oba la pikachat, osheba arrive à la pikachat, passe à la chérechette. Là, c'est problématique. Comme il a commencé par la chérechette, alors là, la pikachat, elle ne pouvait plus faire iboum. S'il a fait iboum, le issour d'oraita qu'il y avait avec la pikachat, il vient, il possède la chérechette. Parce que Bémet, la pikachat, le lien qu'il avait avec la normale, il est plus fort que celui qu'il avait avec la chérechette. C'est pour ça qu'il vient et il marche un peu sur ses plates-bandes, c'est-à-dire qu'il possède la chérechette. Gdola avec Tana, c'est la même chose. Quand un homme il est marié avec une Gdola et une Ktana, Bayabam à la Gdola avec Hazar ou Bala Ktana, Osheba arrive à la Ktana, l'opasse à la Gdola. S'il a commencé par la Gdola, il a fait Iboum les Khatrila, la méadrine. Donc là, tu ne peux plus rien faire après. Il n'y a plus rien qui peut être possédé à la Gdola. La Ktana ne peut plus être possédée à la Gdola. Par contre, dans l'inverse, Bayabam alaktana vechazar ou balakdola, Osheba arrive alakdola, passa le taktana. Là, oui, c'est problématique parce que finalement, elle a commencé par l'aktana et l'akdola, elle a une zika d'oraita, donc elle vient, elle est possédée l'aktana. Rabbi Lazar Omer, melamdim aktana shtemaenbo. Rabbi Lazar, il dit, mais tu sais, moi j'ai une solution super. On va voir l'aktana, elle dit, fais mioun. Si elle fait mioun, finalement, ça n'a jamais été Saïbama, c'est jamais Saïbama, l'akdola, elle est kshira. Il peut continuer à vivre avec l'akdola. Tout simplement. Gmara, Amar Rabbi Yehuda, Amar Shmuel, Halakha ki Rabbi Elazar. Bémet, comme ça on est possède. Vechen, Amar Rabbi Elazar. Mais la force,
Non. On lui apprend. On lui dit voilà comment il faut faire. Il vaut mieux. On lui conseille. On ne peut pas la forcer. Pas marqué Kofin, mais là, on lui apprend. Malgré le fait que d'habitude, on évite de faire mieux, mais ici, le khidouche, c'est comme il a dit. C'est le khidouche. Vechen, Amar Rabbi Lazar, Alakha, qui Rabbi Ele Hazar. Donc ici, bien sûr, c'est deux Rabbi Lazar différents. Un, c'est Rabbi Lazar ben Pedat, qui est un Amora, et l'autre, c'est Rabbi Lazar ben Chamoa, qui est un Tana. Rabbi Lazar ben Pedat, l'Amora, est possède comme Rabbi Lazar ben Chamoa, qui est un Tana. Vetzricha, pourquoi on avait besoin d'être possède deux fois comme Rabbi Lazar, une fois dans les dapis précédents, une fois ici. C'est-à-dire une fois dans la Gdola et la Laktana, quand c'était deux sœurs, vous vous rappelez ? Quand c'était deux sœurs, deux frères sont mariés avec deux sœurs. Un est marié avec une Tana, l'autre est marié avec Gdola. Le mari de la Gdola meurt. Alors maintenant, moi j'ai une Zika de Raita, mais c'est un Khotishti des Rabbanan. Alors qu'est-ce qu'on a dit ? Qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Lazar ? On dit à la petite, fais Mioun, comme ça il peut faire Iboum. Ben, c'est pareil ici, fais Mioun pour qu'il puisse rester avec la grande, qu'il a fait Iboum. Pourquoi on a besoin de dire deux fois à la Chakir Rabbi Lazar, Vetzricha, Deit Marbea, parce que si on avait enseigné que seulement dans les deux sœurs, dans notre cas à nous, j'aurais dit, si, Deit Marbea, Kamaita, pardon, dans les deux sœurs, si on avait enseigné seulement dans les deux sœurs qu'on aimait la Med, la Ktana de faire Mioun, j'aurais dit, Be'ar Kamar Shmuel à la Chakir Rabbi Lazar. Pourquoi là-bas Shmuel a dit à la Chakir Rabbi Lazar, mais Shum Delo qui aime Mitzat Iboum, parce qu'il là-bas il n'a pas encore fait Iboum. Allez, je vous rappelle. Mon frère était marié avec une Gdola et moi je suis marié avec la Ktana, mais c'est des sœurs. Maintenant, quand elle tombe devant moi en Iboum, j'ai pas encore fait Iboum. Alors on dit à la petite, fais Mioun pour que je puisse faire la mitzvah de Iboum. Mais ici, on parle de quoi, du Ktana et une Gdola? On parle qu'il est allé avec la Ktana et ensuite il est allé avec la Gdola. Donc il a déjà fait Iboum, mes mecs. Arrête, ici on voit que le Iboum, c'est pas d'avoir des enfants, c'est Etsem Akinyan, Etsem Abia, c'est ça le Iboum. Donc, mes mecs, ici il a fait Iboum. Alors pourquoi tu veux faire la petite, faire Mioun? La mitzvah, il a déjà été Mekayem. Peut-être que là, on n'aurait pas dit de faire Mioun. Kamash Malad, quand même, ici, on dit Melamdin et Taktana la sot Mioun. Alakha Kerabiel. Aval Bea, Dekayem, Mitzvati, boum. Ima Tarvayou, Lifku, Beget. Peut-être que les deux ici dans notre Mishnah, la grande et la petite, tu les sors Beget. Quel est l'enjeu ici? Qu'il continue à vivre avec Saïbama? Mais pourquoi? Iboum, il a déjà fait. Peut-être qu'on n'est pas. On va pas dire à la petite de faire Mioun dans ce cas-là. Kamash Malad, que oui. Tu as compris la différence entre notre Mishnah et la Mishnah quand c'est deux sœurs? Quand c'est deux sœurs, il n'a pas encore fait Iboum. Alors là, on dit à l'Aktana, fais Mioun pour qu'il puisse faire Iboum. Mais ici, quand c'est pas deux sœurs, on parle qu'il a fait Iboum avec l'Aktana et ensuite il a fait Iboum à la Gdola. Donc il a déjà fait Iboum. Alors pourquoi tu demandes à l'Aktana de faire Mioun? Divorce, il a déjà fait la mitzvah. Kamashwanan que non. Vihashwanan Bea, ici on avait enseigné que seulement notre Mishnah à nous, j'aurais dit Meshum de Gdola Ramie Kame. Parce que dans notre Mishnah à nous, Bemet, c'est pas sa sœur. C'est pas Khotishto, c'est Stam une Gdola. Il n'y a aucun problème de faire Iboum avec elle, Betsem, parce que c'est pas sa sœur. Mais dans la Mishnah précédente, c'était deux sœurs. Là, c'est Akhotishto, peut-être que Bémet, dans ce cas-là, on fait pas Mioun. Avalidar, que c'est Akhotishto et que c'est. Comment ça s'appelle? La Yevama, c'est une Herva. Peut-être que là, Bémet, on ne va pas permettre de faire un Iboum. Tzricha, Kamashman, même dans ce cas-là, on fait Mioun. C'est-à-dire que dans les deux Mishnayot, on a deux Khidushin extraordinaires. Que notre Mishnah, on dit à la petite de faire Mioun, malgré le fait que la mitzvah a déjà été mitkayemet. Il a déjà fait Iboum avec la Gdola. Il a déjà fait la Bia. Et pourtant, on dit à la petite, fais quand même Mioun pour qu'il puisse continuer à vivre avec elle. Ridouche. C'est-à-dire, il a déjà fait Iboum. Et tu peux plus dire, oui, on fait Mioun bim comme mitzvah. Mitzvah ki amta. C'est fini. Comme Hashmalan qu'on fait Mioun. Et dans le cas des deux sœurs, le Ridouche, il est malgré le fait que Mayebama, ben c'est aussi Achot Ishti. On aurait pu croire que Nesra lav Shahat. Arrive au moment du Iboum, c'était là, Achot Ishti, Nesra la Volamit, Kamashmalan, que même dans ce cas-là, on fait Mioun. Allez. Mishnah. C'est plus facile maintenant. Yabam Katan, Sheba, Aliyevama Ktana. Un petit. Alors, quand on dit Katan, c'est quel âge? Avant 13 ans. Oui, ça, c'est évident que c'est avant 13 ans, mais c'est quel âge? 9 ans. Plus de 9. 9 et plus. Pas moins. Moins de 9, c'est pas une bia. C'est pas une bia, c'est pas un Iboum. Katan, ça veut dire entre 9 et 13 ans. Yabam Katan Sheba Aliva Maktana. Ok. Donc ça veut dire que son frère était marié avec une Ktana. Moi je suis Katan. Et on fait Iboum tous les deux. On a dit de toute façon on est petits tous les deux. Qu'on fasse Iboum si déjà. Qu'est-ce que tu en penses? Ça marche ou pas? Arrête la Ktana, elle a pas besoin de date. Le Yabam, lui, il est Katan. Mais sa Bia, c'est une Bia. Shitat Rashi, comme ça il dit le nom d'Abiuda. Shitat Rashi, que la Bia d'un Katan de 9 ans, ça fait un Kinyan Iboum Deoraita. Chachamim, ils l'ont
on va dire, déclassé. Ils lui ont dit que la bia d'un katan, c'est comme un mahamar, c'est que des rabanan. Mais Mina Torah, il a une bia. S'il a une bia, il a un kinyan. Donc ils ont fait iboum. Le katan avec la katana ont fait iboum. Tu arrives pile pour la Mishnah. Il vaut mieux écouter. Katan, il a fait iboum avec la katana. Igdelou Zeimze, ils n'ont qu'à grandir ensemble. Et quand ils grandiront, ils vivront ensemble, impeccable. Ils grandissent. On les sépare pas. Bah, il y va Magdala. Maintenant, un katan qui va avec une grande. Elle a 20 ans. Tega Deleno. À Yevama. La Yevama, elle a qu'à s'occuper du petit. On parle d'un enfant de 9 ans et plus. Et elle attend qu'il a 13 ans. Et à 13 ans, ben, ce sera son mari normal. Cham. Ouais. Donc ici, on a soit un petit avec une petite, ils vivent ensemble. Ils grandissent ensemble. Soit un petit avec une grande, ils grandissent ensemble aussi. Ils grandissent chez elle. Impeccable. On verra quel est le problème tout de suite. À Yevama, chez Amra, Betor, Shloshimium, une Yevama qui est censée avoir fini boum, elle arrive au Bedin avec un guet. Et il dit, sachez que j'ai besoin d'une khalitsa. Voilà, il vient, il m'a donné le guet. D'abord, je veux plus vivre avec lui, c'est sûr. Badaï, d'accord. Je veux faire khalitsa. Mais il faut que je fasse khalitsa. Le guet ne me suffit pas parce qu'il n'y a jamais eu de bia entre nous. Vous, il vous a dit qu'elle avait fait iboum, il n'a jamais fait iboum. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Elle, finalement, qu'est-ce qu'elle perd? Alors, Shavian Afshe Khatira des Soura, elle ne peut plus vivre avec lui. Elle est à Souralo. Mais elle a dit, mais je peux plus me marier, je peux pas marier avec quelqu'un d'autre avec le guet. Parce que Bémet, il m'a pas fait bia. S'il n'y a pas eu de bia, il faut qu'il fasse khalitsa. Le guet ne suffit pas. Alors on la croit, on la croit pas. Ça dépend. Ouais. Aïe. Pardon. Qu'est-ce qu'elle gagne là-dedans? À mentir. Qu'est-ce qu'elle gagne à mentir? Ouais, voilà, Amigo, là, principalement. Alors qu'est-ce qu'elle gagne à mentir? Je vais te dire ce qu'elle gagne à mentir. J'ai bien aimé cette svara. C'est Tiferet Israël qui dit cette svara. Pour expliquer pourquoi, lui, il dit dans l'autre sens. Qu'est-ce qu'il gagne le mari à pas faire khalitsa? Fais-lui khalitsa, makara. Pardon, j'ai pas entendu. Peut-être que lui dit carrément Get Mezouyaf ou je sais pas quoi. Get Mezouyaf? Non, il reconnaît un peu le Get. Si, 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 si. Ah, il reconnaît pas. Ouais. Toi, tu expliques parce qu'il a pas les nerfs de faire Khalitsa. Il veut me cracher devant, dis-moi, tu sais qui je suis, non? Crache pas devant moi. Okay. C'est juste à toi, soit. Tu fais Israël, il dit mieux. Il y a récit, il fait Khalitsa. C'est fini cette fille. Shalom à l'Israël, il pourra plus jamais se marier avec elle. Nahod? Bah, même pas dans la salle pour château. S'il la divorce, il peut se marier avec elle. Il peut la reprendre dans 2 ans, 3 ans, quand elle aura oublié ce qu'il a fait. Donc c'est pour ça que lui, il ne veut pas faire Khalitsa. Ça, c'est ce qu'il gagne, lui. Maintenant, elle, il y a Khalitsa, que c'est ça qu'elle gagne aussi. Elle veut faire Khalitsa pour être sûre de plus jamais se marier avec lui. Ça y est, elle fait ce qu'elle veut. Hein? Elle va la forcer, après. Oui, non, mais je sais, je suis tombé dans son piège une fois, je sais que c'est un grand séducteur. Je sais pas, moi, des soirottes, l'ochasser. Ok? Alors, on y va. Ayebama, Sheamra, Betor, Shloshimium, Lonivalti. Pendant les 30 jours, elle dit, sachez que officiellement, on a fait Iboum, mais il n'y a pas eu de Bia. On l'oblige à faire Khalitsa. Kofinoto. Pourquoi? Parce que Bémet, c'est Chayar que pendant 30 jours, un homme ne fasse pas de bia avec cette femme-là. C'est Chayar. Les Achar Shloshimium, au bout de 4 mois, elle vient et dit sachez qu'il n'y a pas eu de bia. Bon, elle rentre à la maison, ma petite. Impossible. Mais Vakshimene, on lui demande c'est quoi? Fais Khalitsa, l'ardise. Sois gentil. Mais Vakshimene, chez Achlotzla, parce que bon, c'est Midatum finalement. Tu lui permets pas de se remarier, parce que le Shitata, elle ne peut pas se marier, alors que finalement, ça mange pas de pain de faire Khalitsa. Mais. Étant donné qu'il y a une riouta que pendant plus de 30 jours, un homme, il ne reste pas avec cette femme sans faire bia, donc on le croit, on la croit pas vraiment. Ok. Au bisman, chez Omodé, si à un moment il a été modé qu'il n'y a pas eu de bia, et ensuite s'est rétracté, à filou l'achar, chenem asachodesh, kofinoto, même après 12 mois, on l'oblige, chez Achotla, à faire khalitza. Okay. Troisième cas de la Mishnah, anoderet anaham yevama, bechae baala. Une femme qui dit quand elle était mariée avec son mari, je ne profiterai jamais de toi, beau-frère. Et voilà que l'autre, il meurt. Il peut pas faire iboum. Alors comment on fait? Kofi noto chez Achlotzla. On l'oblige à faire Khalitsa. Pourquoi? Parce qu'on est tolé que quand elle s'est disputée avec son beau-frère, elle a dit je ne profiterai jamais de toi. Elle n'avait pas la kavana. Elle savait pas que son mari allait mourir. Elle voulait dire je profiterai. Si je dois profiter un jour de toi, sache que j'ai un éder. Mais ça, je ne pensais pas au iboum. C'est pour ça que, comme elle pensait pas au hibou, on l'oblige à faire Khalitsa. T'as dit que la Khalitsa, c'était une nana. Pardon? La Khalitsa, c'était une nana pour La Khalitsa, c'est une nana? T'as dit, là, tout à l'heure, t'as dit. Non? Elle veut couper le lien. Ah, la vie, c'est une nana, elle gagne quelque chose. Non, elle gagne, c'est pas de lui qu'elle gagne ça. C'est pas une nana directe de ce bonhomme. Hibou, mais elle peut pas faire. Maintenant, les Achar Mitat Baala, si après la mort de son mari, elle dit je profiterai jamais de toi, je suis le Neder,
Là, dans quel sens elle dit ça? Pour casser le hiboum. C'est pour casser le hiboum. Tu veux casser le hiboum, ma petite? Tant pis pour toi, tu te la manges. Mais Vakshin et Minouchi Arkhot, là. On lui demande, étant donné qu'il y a un éder, de faire Khalitza. Mais on l'oblige pas. Parce que finalement, lui, il peut très bien dire, mais moi, j'aurais fait hiboum. Pourquoi? C'est à cause d'elle que je fais hiboum. Très bien. Les himnit kavna les kach, afilou bechayabala, mais Vakshin et Minouchi Arkhot, là. Mais si on sait, du vivant, ton mari a dit, si un jour il meurt, mon mari, je tombe à hiboum devant toi, je profiterai jamais de toi. On sait que c'était pour le hiboum qu'elle a dit ça. Alors là, Bémet, même dans ce cas-là, mais Vakshin et Menouchi Arkhot, ça, on ne peut pas l'obliger. C'est-à-dire, en deux mots, à chaque fois qu'on sait que sa kavana, c'était pour faire sauter la mitzvah tiboum, on ne peut pas l'obliger à faire Khalitza. Mais si c'était dans le cadre d'une dispute comme entre beau-frère et belle-sœur, il y a Kholiot que là, on l'obligera à faire Khalitza parce qu'il n'y avait aucune kavana de sa part de faire sauter la mitzvah du hiboum. Revenons au premier cas de la Mishnah. Premier cas de la Mishnah, c'est quoi, mon cher Ishaï? Razak. Un katan qui fait boum avec une ktana, ou un katan qui fait boum avec une gdola. Qu'est-ce qu'on a dit? Ben, ils ont qu'à mazal tov, ils ont qu'à grandir ensemble. L'imam matiné de Rabbi Meir, va-t-on dire que la Mishnah c'est pas Rabbi Meir? Qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Meir? Il a dit qu'un katan il peut pas faire iboum. Peut-être qu'il est saris, et c'est shetar shelobim komitzva. Une ktana elle peut pas faire iboum. Peut-être que la elonite, c'est shetar shelobim komitzva. C'est karet. Donc Rabbi Meir il dit chashna ne miuta. Vous vous rappelez de cette suga? Tu te rappelles ou pas? Donc la Mishnah qui dit qu'un katan il peut faire iboum, mashmak c'est pas comme Rabbi Meir. Les mamadines et le Rabbi Meir, des Tania, Katan, Viktana, le Cholzin, le Mitabmin. Un Katan, Viktana, ni Khalitza, ni Iboum. Dit Rabbi Meir, Shema, pourquoi il ne fait pas Iboum le Katan? Shema, il est. Saris. Saris ou. Ou quoi? Ilonite. Et donc? Et donc, Shetar Shalom, comme ça. La Gemara dit non. Afilou Tema, Rabbi Meir. Behemet, la Mishnah va d'après Rabbi Meir. Quand est-ce que Rabbi Meir, il a dit qu'on ne fait pas Iboum ni Khalitza? C'est un Katan avec une Gdola. Parce que si Bémet un katan il est saris, alors la gdola, elle a été ouverte sur Echetar Shalom comme ça. Le katan il est katan. Une ktana avec un gadol. Parce que si Bémet elle est aïlonite, le gadol elle a été ouverte sur Echetar Shalom comme ça. Parce qu'il est gadol. Mais ici c'est un katan avec une ktana. Qui va être ouvert sur Echetar Shalom comme ça? Les deux ils sont ktanim. Donc il n'y a aucun problème. Vérité, elle a grandi à Filoutema Rabbi Meir, qui a Rabbi Meir gdola les ktana avec ktana les gadol. Que là, Bémet, il y en a un qui est chayav des mitzvot. Des chan minayou, biyad et yisoura ou. Qu'il y en a un qui a fait biyad et yisoura, si c'est un saris ou une aïlonite. D'accord? Aval katan, abal aktana, mais un petit qui va avec une petite fille. De tarvayou qui a daden niou. Les deux, ils ne sont pas chayav des mitzvot. Lo amar, Rabbi Meir n'a pas dit que c'était interdit. Comme il, dit, il nous ramène Rashi, la Gemara qu'on verra bientôt, qu'un katan a ochel nevela. En bedin ma frichinoto. On n'est pas obligé de l'arrêter. Pas grave. D'accord? Il y a marqué Katan ochel nevelot, en bedin metsuvin la fricho. Tu vois un katan faire une avera, tu n'es pas obligé de le dire, c'est à source que tu fais. Et katan, il n'est pas chayav les mitzvot encore. Ici aussi, c'est pareil. Ah, tiens, rachash, peut-être qu'il est saris, peut-être qu'il est amis. Ça va, c'est ils sont katan les deux. Il n'y a personne qui a fait une bia de issour. Alors que quand c'est un katan avec une gdola, oui. Et là, la Gemara, elle pose immédiatement la question qui est. Personne ne la pose. Dommage. Hein? Oui, j'aurais préféré que quelqu'un la pose. Ici, qui est que dans la Mishnah, on nous parle de deux cas. Un katan avec une ktana et... Et un katan. Ah, voilà. Donc, tu vois bien que c'est pas Rabbi Meir, puisque c'est un katan avec une gdola. La Gemara dit... Vea katane ba lieva magdola tegadelenu. Que s'il est allé avec une petite, avec une grande, tegadelenu. Amar Rabbi Chanina chouza bachane. Non, mais là... C'est Bediavad. Il a déjà fait une bia avec elle. Et donc, Bediavad, il reste avec elle. Mais c'est pas marqué que c'est moutard de faire les khatrilas. Pourquoi? Parce que d'après Rabbi Meir, peut-être que c'est un saris. Alors on a dit, ah, t'es gagné, nous, Kamar. Il marqué qu'il grandit avec elle. C'est-à-dire qu'ils vivent ensemble. Évidemment qu'il y avait à avoir d'autres biotes. Donc, on n'est pas rochèche qu'il est saris. Des kol bia ou bia, des issoua ou. Chaque bia, c'est peut-être un issou. Et là, Mechouvarta, Matintin, le Rabbi Meir. Et là, la Mishnah va dire, tu as raison, elle va pas comme Rabbi Meir. Rabbi Meir, il interdit le hiboum d'un katan avec une gdola alors que notre Mishnah l'a permis. Ok. La Gemara demande, carré kan, un katan, il peut avoir des enfants? Une katana, elle peut avoir des enfants? Alors, il y a marqué dans la mitzvah du hiboum, carré kan, le hakim, le achiv shem. Il faut donner un nom à son frère. C'est pourquoi on fait hiboum? Pour qu'il ait des enfants. Le hakim, shem, le achiv. Pour que je vais édifier un nom à mon frère, une descendance. Véa, il a pas Achiou. Et ça, c'est un katan. Comment il fait pour avoir des enfants, un katan? Donc, il y a une question essentielle. Un zaken, il peut faire hiboum. Pourquoi?
Parce que le Zaken, pa'am aya barachi. Pa'am, il pouvait avoir des enfants. Aujourd'hui, non, mais une fois, il était. Ok, donc comme il a été une fois, il reste. Mais le Katan, il n'a jamais été. D'accord ? Donc s'il n'a jamais été, comment il fait pour faire Ibou ? Il n'y a pas marqué. Sur lui, on ne peut pas dire, il est Hakim Shem Leachiv. La Gemara, elle demande, elle dit, Amar Abaye, Zelonora. Amar Kra, Yevama Yavo Alea, Koldeu. Yevama Yavo Alea, il vient nous dire, Koldeu. L'homme chané. Même s'il ne peut pas encore avoir d'enfants, du moment où il est susceptible de grandir et d'avoir des enfants, ça marche. Rava Amar, Bela Vachinami, Lomatitamret. Rava, il dit, tu n'as pas besoin de dire, Yevama Yavo Alea, Bekoldeu. Stamaga. Tu es obligé de dire qu'un katan, il n'est pas passible de faire Iboum. Pourquoi ? Parce que vous vous rappelez que pour qu'un homme fasse Iboum, il faut qu'il ait connu son frère, Nachon. Yardav, il y a marqué. Achiv, Yardav. Il faut qu'ils soient ensemble. Donc s'il l'a connu, ça suffit maintenant qu'il est connu. Il peut le connaître à 2 ans. Si son frère, il meurt quand lui, il avait 2 ans, est-ce qu'à 2 ans, il peut faire Iboum ? Il ne peut pas faire Iboum. Donc on aurait. Si Bémet, il est assourbé Iboum, alors moi, je vais te dire qu'à ce moment-là, qui va chinesra la shahat nesra la volamit. Kolivama, chez le nikret levama, beshat nefila, elle ne peut pas faire iboum. Or, tu vois bien qu'elle fait iboum quand cet enfant y aura 13 ans. Encore rare qu'à 2 ans, il n'est pas passé de mitzvah tiboum. Comme ça, il dit Rava. Rava amar, bela bachinami, lomatitamret. Ki mi ka mi dede ashta sirale ou batar shahata charie. Est-ce qu'il y a quelque chose que à 9 ans, il est interdit de faire parce qu'il est katan et à 13 ans, il a le droit de faire? Une yebama qu'au moment de la nefila, au moment de la mort de son mari, on ne peut pas dire yebama yavolia. Alors ça ne peut pas être muta. Arei keshetar sheyesh labanim, c'est comme une neshetar shelobim komitsa. Veasura et asura leolam. Quel est le cas par exemple? Imaginons deux frères qui sont mariés avec deux sœurs. Il y en a un qui meurt, il ne peut pas faire les boum. D'accord? Boum, sa femme elle meurt. Ah, c'est plus achotishto. Non. Étant donné que Béchat Nefila, elle n'était pas Yevama Yavoalia, il ne peut pas faire Iboum. Alors ici aussi, si Bémet un Katan, les Chitatra, un Katan, il ne peut pas faire Iboum. Alors au moment de la mort de son frère, quand il était Katan, on ne peut pas dire Yevama Yavoalia. Encore rare, le Katan, il peut faire Iboum. Et Imachinami, la Gemara dit, alors pourquoi pas Amakra, Kiyashua, Rimyardav, comme je vous l'ai dit, Afilou Ben Yomo, Echad. Même s'il a un jour, et que c'est évident qu'il ne peut pas faire Iboum quand il a un jour, il pourra faire Iboum quand il aura 13 ans. Encore rare qu'un Katan, il n'est pas passé de Mitzvah. On continue. Ce n'est qu'un chachash de Rabbi Mir qui est chachash, peut-être qu'il n'est pas bon. Yevama Hashem Rabbi Torch Loshim Yom. Vous rappelez cette Gemara, la Mishnah, que si pendant les 30 jours elle dit il n'y a pas eu de Biya, on le croit. Pendant, après 30 jours, on ne le croit pas. Mantana, qui est le Tana de notre Mishnah qui dit Deat Latin Yomin Mukim Inish Anafshe, que 30 jours un homme peut ne pas faire de Biya plus de 30 jours. Il peut pas, pardon ? Oh, Chazak. Amarab Yohanan Rabbi Mir. Et des Tania. Tanat Betulim, tu connais cette Gemara de Tanat Betulim? Hein? Tanat Betulim, c'est un homme qui se marie et il va au Bedin le lendemain du mariage et il dit, elle n'avait pas de Betulim, mais Kartaout. Petar Patuar, Sugia Bektuvod, Daftet, Petar Patuar Batsati. La porte était ouverte. Elle n'avait pas de Betulim, d'accord? Ok. Alors ça, combien de temps tu as combien de temps pour être toi, Tanat Betulim? Rabbi Mir, il dit 30 jours. Au bout de 30 jours, ne me raconte pas d'histoire que tu as trouvé hier, tu as vu qu'il n'y avait pas de Betulim. Si ça fait 3 mois que tu es marié avec elle, ça fait 3 mois que tu as fait une bia. Et maintenant, tu t'es disputé avec elle et tu essayes de te venger, c'est tout. Mais pendant les 30 jours, on le croit encore. Pourquoi? Parce que c'est possible que pendant 30 jours, un homme il se retienne de faire une bia. Donc, apparemment, notre Mishnah, c'est Rabbi Meir. Tanat Betulim, Kocholoshimim, dit Rabbi Meir. Rabbi aussi Omer, pas du tout. Nistera, s'ils se sont isolés l'un avec l'autre, les altars, le lendemain, c'est fini, après il n'y a plus de temps. L'onistera, s'il n'y a pas eu de l'ichoud, af les altars, les achar kamashanim. S'ils n'ont jamais été ensemble, même au bout de 10 ans, il peut dire tanat betuli. Donc en deux mots, la Mishnah, ça ne peut pas être Rabbi aussi. Parce que Rabbi aussi, il dit, il n'y a pas de temps où un homme il se retient de faire une bière. Il n'y a pas 30 jours. Ça n'existe pas ce 30 jours-là. Il n'y a pas de chazaka, de neemanout ou quoi que ce soit. Immédiatement, tu as perdu ton srou de tanat betuli. Donc ici aussi, tu ne peux pas dire que pendant les 30 jours, elle peut dire il n'y a pas eu de bia. En cas d'avoir, va dire qu'il y a eu une bia. Sinon, tu serais venu avant. Rabba Amar Afilou, Tema Rabbi aussi. Non, Bémet, la Mishnah, elle peut aussi aller d'après Rabbi aussi. Il y a une différence entre la Yivama et la Arusa. Atka, Noka Amar Rabbi aussi, Atam et la Bearusato, des Gisba. C'est sa Arusa, c'est sa fiancée. Il la connaît. Il n'a pas honte avec elle. Donc, c'est pour ça que Rabbi aussi te dit dès que tu te sens isolé, va dire qu'il y a eu bia. Avaléchet arrive, c'est sa belle-sœur. Léchet arrive, il a honte. Comme il a honte. Mais Vaziz Miné, il a honte de sa belle-sœur. Donc ça, c'est Chayar que 30 jours.
il n'y a pas eu de bia. Et donc même Rabbi aussi sera d'accord avec notre Mishnah que pendant 30 jours, un peu, on peut dire qu'un homme, il n'a pas eu de bia avec cette femme. Au-delà, on ne sera pas tolé comme ça. Shabbat shalom.